Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo journée dans ma peau. Il est 11h10, on est mercredi 13 avril et je viens de filmer une vidéo sur mon une séance d'atelier, ça veut rien dire, sur un atelier que j'ai réalisé avec Epona, bien-être du cheval, qui est donc une masseuse. Cette vidéo vous la verrez normalement, bah, il me semble que c'est celle d'avant. C'est soit celle après celle-là, soit celle avant. Je ne sais plus exactement mon planning de vidéo. Mais du coup, voilà. Pour dire, parce que c'est une journée dans ma peau, mais il est déjà 11h. Je me suis réveillée tranquillement. Puis du coup, cette semaine, je suis en vacances scolaires. Donc j'en ai profité, j'ai bossé un petit peu mes cours, puisque même si je suis en vacances de travail, j'ai mon concours, mon examen d'école qui se passe mercredi prochain, donc voilà. Et donc j'ai bossé un peu, puis je suis venue au sous-sol dans ma sellerie pour vous filmer la vidéo sur le stage et par la suite du coup introduire cette vidéo et pourquoi je reste dans ma sellerie, puisque je pourrais remonter. Tout simplement parce que là, je sais pas si vous voyez, mais en fait vous ne voyez pas puisqu'il n'y a pas de tapis, alors que d'habitude il y a plein de tapis. Suite à ma vidéo présentation de mes tapis d'équitation qui date d'il y a 2 mois, j'ai été dans l'incapacité de remettre tous mes tapis, hop, dans des cintres comme ça. La plupart sont cassés, ils ne tiennent plus et j'avais pas envie d'en mettre 3 pour au final tout renlever une fois que j'aurai racheté des cintres, donc c'est chose faite. Mais je trouve que c'est pas quelque chose qui est donné, ce genre de cintre là, et clairement j'ai pas des 1000 et des 100 à mettre dans des cintres pour accrocher mes tapis. Du coup je teste quelque chose, des cintres achetés sur Shein qui m'ont coûté que dalle, vraiment pas grand chose, je sais plus exactement. Et du coup on va essayer au niveau de l'ouverture, ça s'écarte bien. Après, c'est juste au niveau du poids. Est-ce que ça va bien tenir le poids? Et je crois qu'à comparer avec les autres, ils sont un peu moins longs. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas trop grave. Donc voilà, programme de ce matin. Enfin, ranger mes tapis qui, depuis 2 mois, ils sont entachés sur une petite bâche. Oh, j'arrive plus à parler. Et ils sont les uns sur les autres. Voilà ce que l'on va faire. Ensuite j'irai manger tranquillement, rebosser sans doute un petit peu, et en début d'après-midi j'irai à l'équitation profiter. Là pour l'instant il fait beau, j'espère que ça va durer, et du coup ce soir j'ai un cours qui j'espère vous sera filmé pour vous faire des petites images. Et du coup c'est parti, on va faire accrocher tous mes tapis. D'ailleurs il va falloir que je prenne un tapis pour aujourd'hui. Je suis en Bordeaux. Eh bien, je vais partir sur un tapis Bordeaux. Alors, lui, je ne le mets pas puisqu'il est beaucoup trop épais. Et puis en plus, il est bien bien sale. Il faudrait que je me mette à le laver. Du coup, il va sur une autre petite barre. Mais il ne s'accroche pas au niveau des tapis. Et on va commencer par celui-là. Est-ce que cela va tenir? Je l'espère fortement. Alors, au niveau de l'ouverture, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop de problème. Oh, en plus, je l'ai attaché à l'envers. C'est vraiment la misère. Que j'aime bien, hop, les mettre comme ça. Et du coup, verdict, ça tient. On verra, je ferai un bilan en revenant après manger. Voir si ils sont toujours entiers et encore attachés. Donc je fais tout ça et après je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà ce que ça donne. J'ai voulu mettre par couleur. C'est là que je me rends compte que j'ai énormément de tapis bleus. Sachant que j'ai en plus mon paddock bleu. Donc c'est un peu abusé. Mais bon, après il faut dire. Hein. Ceux-là déjà, c'est pas 3 bleus marines. Même si je suis d'accord, j'ai 4 bleus marines. C'est énorme. Mais voilà, et le reste j'ai mis mes autres tapis. Après il faut savoir, oui du coup je sais pas si on me voit, c'est pas flou, il faut savoir que j'ai mes deux tapis de concours, le marron et le blanc, que je ne mets pas en plus là. J'ai pas mis Bordeaux
puisque tout simplement le bordeaux je l'emmène là aujourd'hui au club, et j'ai mes deux tapis de tickets qui sont au club, les deux gros que je lui mets habituellement. Donc voilà, ça fait ça en plus que je rajouterai du coup ce soir. Je pense que je vais tout ramener ce soir et profiter d'être en vacances sans doute pour faire un petit coup de lavage, laver tout ça. Et voilà pour ce qui est de cette matinée. Là, je vais remonter pour aller manger. Je vous reprends. J'ai déjà mangé tout ça là, il est 14h. Je vais y aller. Juste avant, il faut que je finisse de préparer mes affaires pour monter. Et puis, bien, go. Go au club. Bon, je vous reprends. Il est bien tard. Enfin, bien tard. Il est 20h13, mais je me sens vidée. Mais vraiment, là, je viens d'arriver chez moi. On a fait séance dressage sur les sessions. C'est moi qui ai demandé à en faire. Parce que je galère. Mais j'ai encore une fois galéré. Et voilà, je suis au bout de ma vie. Tiquet a vraiment bien bossé. C'était la dernière séance avant les championnats départemental de dressage, donc eh bien on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et du coup dans la prochaine vidéo ce sera la préparation du matériel et des poneys pour les championnats.